Les panneaux directionnels guident le conducteur. Ils annoncent les intersections et villes desservies et indiquent le type et le numéro des routes. Le code couleur utilisé identifie les catégories d'itinéraires. Bleu pour les trajets empruntant une autoroute, vert pour les itinéraires reliant les villes importantes, blanc pour les directions secondaires reliant les localités proches, marron pour les sites touristiques et bien sûr jaune pour les itinéraires temporaires comme les déviations. Le cartouche situé au-dessus du panneau indique le numéro de la route. Lettres et codes couleurs varient suivant la catégorie administrative à laquelle elle appartient, européenne, nationale, autoroute, départementale, communale, rurale ou forestière. Ne confondez pas cartouche et encart. L'encart placé dans le panneau désigne la route ou l'autoroute qu'il est possible de rejoindre et non celle sur laquelle vous vous trouvez. Les idéogrammes placés devant la destination donnent des informations complémentaires, embarcadère, aéroport, parking, site touristique. Les panneaux de direction peuvent aussi comporter des symboles d'indication afin de désigner la ou les catégories d'usagers pour lesquels cet itinéraire est prévu. Si nécessaire, un symbole d'interdiction désigne la ou les catégories d'usagers à qui il est interdit de suivre la direction indiquée.